Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de UEFA Champions League saison 99-2000. Un jeu de foot bien old school, bien sympa, bien... Très sympa à jouer, ouais, c'est le terme adéquat. Ah, ça c'est nouveau. Alors c'est parti, je sais pas où nous sommes, on a qu'à dire que nous sommes à Prague. Bon là, ce que vous voyez, c'est l'équipe... du Sparta Prague qui joue en Grenat face à l'équipe du Real Madrid qui joue en bleu ciel et bleu marine. Ouais, sympa, ouais. Bon, c'est bien, mais bon, c'est sans plus quoi. Allez, c'est parti. Donc, je serai l'équipe du Sparta Prague. Bon, voilà, attention, parce que là, il y a un petit peu de cafouillage. Oui, faut bien jouer le jeu, hein. Faut bien préparer son équipe. Attends, c'est pas fini. Ouh, joli. C'était une belle tentative, mais c'est pas fini. Attention, wow, magnifique. Magnifique tir qui est stoppé de justesse par le gardien du Real. Allez, c'est pas fini, c'est parce que là, le ballon est toujours pour le Real. Zut, je l'ai perdu. Svoboda, Lobont, Rolf, Kerkazias. Pas Casillas, comment il s'appelle, Dolientes, voilà. Et c'est le but. Et ouverture du score du Real. GG. Et 6. Et le ouverture du score du Real, signé... Manaman. Bah, GG, comme je suis fair play, je lui dis GG, voilà. Bon. Attends, c'est parce que moi je vais pas faire plus. Et c'est le but. Et égalisation tchèque. But signé Sianko. Voilà. Donc, égalité un partout donc entre les Tchèques du Sparta Prague et le Real Madrid. Alors, le Sparta Prague qui, si je me souviens bien, est l'équipe la plus titrée du championnat tchèque et aussi de la Tchécoslovaquie aussi. Enfin, de l'ancienne Tchécoslovaquie, il me semble. Enfin, je pense. Hein. Enfin, je vérifie. Et franchement, le jeu est bien. De plus, il a été édité par Eidos et Silicon System. Silicon Dreams, pardon. Zut, je l'ai perdu. Attention, c'est fini. Ouh, joli. Joli arrêt du gardien. Heureusement qu'il y a de bons réflexes. Attends, c'est pas fini. Le ballon est autour de check. Wow, joli. C'est pas fini. J'ai bien cru qu'elle allait passer, celle-là. Et c'est le but! Et cette fois, ce sont les Tchèques du Sparta Prague qui mènent le score maintenant. Bien sûr. Ah, c'est pas bien. Attends, y a pas en jeu. Et c'est le but! Et cette fois-ci, c'est une égalisation. But signé Raoul. Égalité parfaite entre les deux équipes. Et c'est la fin justement de cette première mi-temps. Et on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à la deuxième mi-temps. Voilà, et nous sommes de retour ici à Prague. Où on va assister à la deuxième mi-temps entre le Real Madrid et le Sparta Prague. Oui. Belle tentative donc. Oula, faute. Et c'est un coup franc.
D'ailleurs, franchement, ce jeu est vachement bien. D'ailleurs, j'en pensais dans un, c'est lors de l'édition 2000-2001. Je vais voir si je peux le tester lui aussi. S'ils le font, je testerai aussi celui-là par la même occasion. Oui, c'est le but. Et magnifique but. Et ce qui fait au total de 3-2 pour le Real. GG. Et c'est son deuxième but. Voilà, attention, parce que là, ils sont déchaînés. Et c'est le but! Et ce qui fait au total de 4-2. But signé Morientes. Attention. Ah, ballon pour les Tchèques du Sparta Prague. Ouh, corner! Premier corner pour les Tchèques du Sparta Prague. Et c'est le but! Et ce qui fait au total de 4-3. Et les Tchèques peuvent revenir encore à l'assaut. Zoda! Et c'est un nouveau corner pour les Tchèques du Sparta Prague. Bon, attention, il faut bien que ça soit bien cadré. Ah, dommage. J'aurais voulu faire une tête, mais le gardien a été plus rapide que moi. C'est pas grave. De toute façon, si je perds, ça sera pas trop grave. S'il le faut, j'aurai d'autres occasions. Attention, parce que là, c'est pas fini. Et c'est le but! Et nouvelle égalisation du Sparta Prague. Alors attendez, juste avant, je vais faire un petit changement. Oui, parce que dans ce jeu, on peut faire un changement, hein, ou plutôt des changements. Hein. Varanec, ouais, tiens, je vais prendre celui-là et on va prendre Jarosik. Voilà. Voilà. Donc, nouvelle égalisation. Égalité parfaite entre les deux équipes. Attention, c'est pas fini. Parce que là, le ballon est toujours pour l'équipe du Real. Alors que là, il y a faute. Et c'est le fameux changement. Donc, Baranec sera remplacé par Jarosik. Remarque, si on pouvait finir sur un match nul, c'est pas mal non plus. Ouh! Oh, pas mal! Et nouveau corner, cette fois-ci pour les joueurs du Real. Attention, parce que là, il faut faire gaffe, parce que les joueurs du Real peuvent encore marquer. Attention, c'était pas fini. Ouh, attention. Mais attention, on n'est pas à faire de conneries. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oula. Ok, c'était mal joué, je vous en excuse. Donc, nouveau coup franc, cette fois-ci pour les joueurs du Real. Là, ah, mais ils vont finir par marquer, ces joueurs du Real. Hein. Non, mais ils vont finir par marquer si ça continue. Hein. Enfin, encore faut-il qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, vont-ils réussir ou vont-ils pas réussir, hein. Telle est la question. Voilà. Ah, zut. J'essaie de tenter de prendre le ballon, mais ils veulent pas me laisser...
le prendre. Ah, faut vraiment pas dormir sur ses lauriers dans ce jeu, hein. Ah, zut. C'est pas fini. Ouh! Sauvé in extremis par une barre transversale. Oh, putain, la chance que j'ai. C'est pas fini, c'est pas fini, attention. Et c'est le but! Et c'est le coup du chapeau pour ce joueur. Et parce qu'il a marqué 3 buts. Et pour les joueurs du Sparta Prague, tout est à recommencer. Oh, attention, ne paniquons pas. Et c'est le but! Oh là là, mais c'est palpitant ce match! Oh, cette fin de match promet d'être explosif. Explosif. Attention, c'est pas mis! Oh, ouf, 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 ouf. Attention, c'est un corner, attention, parce que ils peuvent marquer les joueurs du Real. Encore faut-il qu'ils y arrivent. Zut. Voilà, oui, c'est bien. Ah, dommage, je voulais faire une grande... Mince! Et voilà, et c'est un but! Oh là 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 là. Et mais décidément... En même temps, ça... Si vous aimez ce jeu et si vous... si vous appréciez le match, bah tant mieux. Parce que moi, mais... Vous voyez peut-être pas, mais j'essaie tant bien que mal de mener à bien, mais... Oh, comme... Penalty! Penalty et premier carton jaune dans ce match. Bon, là, ce coup-ci, je vais pas faire d'erreur. Et c'est le but! Et nouvelle égalité entre les deux équipes. Et c'est le coup du chapeau aussi pour ce joueur. Oh, putain, c'est... Et c'est palpitant, hein. De toute façon, ça va être à la fin du match dans pas longtemps. C'est fini! Et c'est le but! Alors là, je dis GG parce que là, franchement, marquer un but à la dernière minute, fallait faire. Il faut tout donner du côté Sparta. Ah, dommage. Bon, en même temps, ils auront perdu avec honneur. Et c'est justement la fin du match. Voilà donc, victoire donc du Real Madrid face au Tchèque du Sparta Prague. Bah, GG à eux et GG aussi à ces valeureux joueurs du Sparta Prague qui ont quand même lutté jusqu'au bout. Mais bon, on va pas... On va pas faire le moindre reproche, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais bon, on leur quand même un bon GG à eux, qu'ils ont lutté au moins jusqu'au bout. Voilà donc, les gens, c'était donc UEFA Champions League saison 99-2000. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains matchs. Oh, et puis,